Je suis l'ami Moné Ali Dimitri, membre potentiel à l'OLM Adzopé, la jeune chambre internationale. Le cours sur la résolution 365 est un cours, une formation que j'ai beaucoup appréciée parce que cette formation nous a donné les rudiments nécessaires pour pouvoir définir nous-mêmes des objectifs et pouvoir atteindre ces objectifs-là. C'est une difficulté à laquelle nous sommes le plus souvent confrontés et cette formation-là nous donne tous les éléments nécessaires pour pouvoir le faire. Je recommande bien sûr cela à plus d'un, surtout ceux qui jusque-là ont des difficultés pour réaliser et atteindre leur objectif. Mon potentiel souhaite être autorisé pour cette convention locale. Et donc, depuis hier, nous étions là pour la fête, nous avons commencé par la formation thème 1, résolution 365, qualité, atteindre les objectifs annuels. Et pour dire que, pour dire vrai, en fait, séminaire d'examen pour ma personne m'a apporté beaucoup de choses. Parce que jusque-là, je ne savais pas. En fait, on essayait même de se pratiquer quelque chose comme une résolution. Mais à partir d'hier, je pense qu'il y a eu et il y aura un grand changement positif dans ma vie. Bonjour, moi c'est Kone Kati Fatmota. Je suis de la Jeune Chambre internationale à Azopé. Hier, j'ai participé à un séminaire de formation portant sur la résolution 365. Ce cours, je l'ai vraiment apprécié car il me permet de prendre des résolutions pendant une année donnée et de planifier aussi mon temps. Et j'invite tout le monde à y participer et aussi à prendre des résolutions pendant un temps donné. Merci. Je suis l'ami Adoubini Philippe, député à la convention locale GCI 2011 à Azopé. La formation suivie sur la résolution 365 a été très enrichissante. Elle est très pratique pour prendre des résolutions. Je l'ai vraiment trouvée enrichissante et pour ma formation personnelle, je pense que j'ai retenu beaucoup de choses. Je peux même conseiller cette formation à des amis. D'ailleurs, j'ai commencé à mettre en pratique cette formation. Parce qu'elle est vraiment très pratique. Et si je pouvais demander aux formateurs de trouver les moyens de rendre public ou diffuser cette formation, elle rendrait beaucoup service, pas seulement aux membres de la Jeune Chambre internationale, mais à toute personne qui a besoin de connaissances, qui a besoin de planifier sa vie, planifier ses projets, planifier ses décisions. Vraiment, je dis merci au formateur Joey et je salue aussi la Jeune Chambre Convention locale d'Azopé qui a bien voulu que cette formation ait lieu. Merci à tout le monde.